Et voilà. Le Québec est le. La propague est en retard aujourd'hui du côté Québec. Là, il est. Il est 14h40. Si vous regardez sur la vidéo, la QSO journalier avec le Québec là d'hier. Breakover! T'es ma percée un tympan. Hein. Bon bah du coup aujourd'hui aussi je serai que sur les... Il est où? Il est où? Il est où? Les 73-51 Gilles. Alors comment vas-tu ce matin? Ok, d'accord. Merci pour le retour de micro. Eh bien, ce matin, sur le 555, j'ai entendu le Maroc. J'ai entendu d'autres QTH aussi. Bon, j'étais trop pris là de mon côté. J'étais en train de travailler des vidéos. Hachi. Donc j'étais pas mal pris de mon côté. J'ai préféré régler ça d'abord, m'occuper de ça d'abord, et après je me mettrai en fréquence. Et là, j'ai lancé le travail de... Tu sais, je t'avais parlé d'une installation informatique sur un disque dur externe, installation Linux sur un disque dur externe, et non pas, comme ça se fait d'habitude, sur un disque dur interne, comme c'est le cas pour toi et pour n'importe quel autre ordinateur. Et là, je viens de lancer le travail de la vidéo, là. Je l'ai coupé en copeaux. J'ai fait des copeaux avec. Là, ouais, bah oui, tout ce qui est, toutes les parties blanches, enfin silencieuses, je veux dire par là, les parties monotones, toutes ces parties-là, allez, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Donc, eh bien, j'arrête pas, quoi. Je n'arrête pas, hachi. Eh, 73-51 retourné, mon frangin. Alors, ouais, bah le café, bah oui, t'es en train de... Eh, le bol de céréales, c'est pas pour le poste, hein. C'est pour toi, le bol de céréales. Ah, j'entends gazouiller dans le web SDR d'Ottawa, je sais pas trop d'où ça arrive. J'entends pas, moi. T'es où? Je sais pas, il est pas là. Pas de mon côté, en tout cas. Thank you.
Ouais, donc pour faire plaisir, là, je vais rajouter la deuxième caméra, mais bon, aujourd'hui ça veut pas non plus. Là aussi, il y a une connerie qui traîne quelque part. Je viens brancher l'ordinateur. Alors c'est une petite caméra, genre GoPro et compagnie, quoi. Ouais, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Voilà. Alors, donc je la branche en USB. Le démarrage se lance pour s'éteindre aussitôt. Feignante, va. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour ma gueule que vous regardez les vidéos. C'est pour les cuissons. Du moins, j'espère pour moi. Ah, puis d'abord, avant tout ça, c'est pour promouvoir, redynamiser la CB, montrer ce qu'on en fait avec. Voilà, c'est ça le but. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc là, je suis toujours là en minimum, on va dire. Alors, je suis toujours là avec la boîte d'accord incorporée d'enclencher pour me manger le trop de tos. C'est puis le micro d'origine pour éviter. Ouais, parce que quand je branche le micro préampli, avec les soucis qu'il y a derrière, ça me fait. J'ai l'alimentation qui se transforme en warning. C'est alors que là, bon, elle reste stable. Là, l'alimentation, elle bouge pas là, avec le micro d'origine. C'est là, mais disons que je fais passer d'abord le reste. Moi, je verrai après. je me fais passer après, ça, c'est pas un problème. Le plus important, c'est le reste de ce que je fais, tes vidéos et ceci, être en QSO avec vous autres et tout. Ça, pour moi, c'est la priorité. Et tout ce que je fais sur Internet, ça, pour moi, c'est la priorité par rapport à la station. Ouais. Oh, la pompage est tombée, là. Ah, l'autre abruti, là. Alors ça, c'est un OM, c'est un Français, bah, qui se prend pour le maître du monde. Et il se proclame en plus comme étant soi-disant président d'une association. Drôle de référence. Pour faire le con comme ça, moi je serais lui, je me serais tu sur ce qu'il est, quoi. Ouais, QSL de ton message, même si ça a plongé, si la propague a plongé là sur sur la fin de ta phrase, mais je l'entends pas du tout là ici. Hein, j'ai écouté sur le poste, j'ai écouté sur le web SDR, ça passe pas du tout là de mon côté. Hein. Ah, j'ai entendu ton grand copain, le Français, là, qui est... Tu sais, celui qui se prend pour le maître des ondes. Non, pas le maître des ondes, le maître du monde.
Voilà, celui-là. Il a fait son petit passage, en musique, on va dire. Mais c'est lui qui a de la gueule ou c'est moi qui ai trop monté le volume? J'ai pas l'impression que c'est si fort que ça. Ouais. Ah, le volume, il est... On le voit là, ouais, on le voit sur la vidéo. Enfin bon, bref. Ouais, la tête mieux. Ouais. Alors, le DSP, il est comment? Il est position 5. Ouais, c'est pas mal. Ah, surtout, regardez, n'oubliez pas de regarder les vidéos de Gilles hein, sur sa chaîne YouTube. Vous croirez installé dans un canapé en train de regarder la télé. Ah, donc sa chaîne YouTube, bah, tout simplement 9 Bravo Charlie 555. 9 Bravo Charlie. 555, voilà, 9 Bravo Charlie 555, espace Gilles. Bon, à la fin de Gilles, il y a un L qui vient toucher, hein. Mais bon, juste ça, ça devrait le faire.
C'est aigu là ce qui m'arrive là sur le. Hop. Ah, je suis toujours là, hein. Oh là là, c'est loin d'Alban, la boîte. Oh là 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 là, il est où? Il est où? Il est où? Tiens, à propos de ça, aujourd'hui non plus, je m'entends pas dans le Web-Azière d'Ottawa. C'est à croire que le propriétaire du Web-SDR d'Ottawa a mis un paravent, ou plutôt un parasson, un para-onde, je vais y arriver, entre lui et la 14. Ouais, je suis juste qu'avec le poste, le micro d'origine. Et sur le poste, j'ai la boîte d'accord du poste qui est enclenchée pour ne pas avoir de tosse. Ouais, mais ça t'aide, là. C'est tout à fait le. Ça s'appelle le poliment en ligne. Peut-être sur le SDA, pour toi, c'est plus petit, peut-être, non? Ouais, tu sais, hein, quand la propague est là, hein, puissance ou pas puissance, de toute façon. Et puis là, là, j'ai quand même. Je vais avoir quoi avec le poste? Aïe! Putain, je suis en train de m'attraper, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Le micro d'origine, va falloir que je le démonte, que je vois ce qui s'y passe dedans. Je m'attrape du jus sur l'accroche micro qui est derrière, qui est métallique. Ça devient dangereux à la station, ouais. Ouais, ouais, mais non, mais toute façon, quand la propague est là, hein, y a pas besoin de beaucoup de puissance. Alors attends, tu m'as dit, oui, là je suis, alors je dois être autour des 90 watts là au niveau du poste. Voilà, j'ai basculé, là on le voit, tu le verras là sur la vidéo. Là, ça monte presque à fond. Donc là, oui, je dois être à 90 watts. 80, 90 watts, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vu ce que je vois là sur le S-mètre, là, sur le 8-mètre du poste, c'est ça. Bon, je le remets en position tosse-mètre. Voilà, comme ça, je continue à avoir un œil dessus. C'est. Enfin bon, je t'avoue, je comprends pas ce qui s'est passé là. Puis c'est arrivé d'un coup, là, ce problème. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, ça a chuté là, j'ai pas eu Roger, Gilles. Ah, il est où? Il est où? Il est où? J'ai qu'une seule antenne de montée. C'est là la Sigma, la Mantova 8 que j'ai là depuis, ça fait 13-14 ans qu'elle est montée là. J'ai fait, jusqu'à maintenant, j'ai fait aucun entretien dessus, hein. Donc, faut pas que je me plaigne, hein, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Mais là, à tous les coups, oui, il doit y avoir certainement de la crasse, ou je sais pas, qui a dû se mettre dedans, je sais pas, quelque chose comme ça. Par contre, là, pour aller la chercher, je vais m'amuser, là, ce coup-ci. Quand je l'ai installée, je tenais encore bien la forme. Mais là, aujourd'hui, et puis être derrière le poste, comme ça, constamment, enfin, très souvent, ou derrière l'ordinateur, ça muscle pas, ça. Donc, ça va me faire tout bizarre de remonter là-haut. Ah, puis il faut que je me fabrique un truc pour pouvoir, comme un genre de marchepied, un truc comme ça, que je puisse me poser comme il faut dessus, là-haut sur le tube. Parce que c'est que du tube de ma télé, hein, que j'ai là, où est posée l'antenne. Ben d'ailleurs, si tu regardes à la loupe sur la QSL, sur ma QSL que tu as, tu verras, c'est du mât de télé, c'est tout, hein. Et je grimpe comme ça le long, ouais. Enfin, du moins, je grimpais comme ça le long. Là, va falloir que je recommence tout pareil.
Bon, ben heureusement qu'il y a la vidéo qui est là, comme ça tu pourras voir le déballage de conneries que j'ai dit. Putain, oui, il va falloir que je regarde ce bouton là, pas ce bouton, mais c'est cet accroche-micro là derrière. Pourquoi ça me fait ça, quoi? C'est bizarre. Ah oui, normalement il n'y a rien de branché dessus, quoi. Mais j'ai pas le temps de l'ouvrir lui aussi. Là, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir le temps. Non, pas aujourd'hui. Pas grave. Bon, moi, je sais que je suis vivant quand j'y touche. Eh ben, ah, il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah, hop là. Il a répondu à quelqu'un d'autre. Mais la propague n'est pas aussi forte que d'habitude. Hop, t'es de retour. Ok, ouais, parce que là j'avais plus rien là du coup de mon côté là, mais plus rien, plus rien. Mais c'est moi qui est sourd ou c'est très calme là aujourd'hui? Ah oui, là tu m'arrives pourtant entre 5 et 8, donc la porte est ouverte, hein, là il n'y a pas de problème. Puis avec un signal de 8, là on peut dire qu'il y a même un courant d'air. Et là, c'est les OM qui sont pas là, quoi, c'est curieux. Ouais, c'est incroyable. Mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où, les talons? Ouais, c'est ça, quoi. Est-ce que... Attends, j'ai pas compris.
Ah, elle est propre, oui, je t'entends bien, hein, y a pas de problème, hein. Attends, je regarde un truc. Wow. J'ai l'alimentation par moment qui fait un petit peu warning. Wow. Je sais pas ce qui se passe de mon côté. Bon, je vais faire avec, et puis on verra bien après. Ok, d'accord. Eh ben, ça va là au niveau chez toi, au niveau température, c'est bon, c'est remonté un petit peu? Eh bien, toi, là, je viens de regarder, là, l'instant même, de mon côté, là, il y a 16 degrés. 16 degrés, là, ici, là, sur le sud-ouest. Et grand beau soleil, ouais, ben, ouais, ok, ouais. Et grand beau soleil de mon côté et 16 degrés. Ah, ça, là, tu m'étonnes, c'est clair, hein. C'est sûr, oui. Ah, ah ben, même eux, là, je les entends pas. Hein. Alors, attends, parce que là, tout à l'heure, j'ai le WebSDR qui s'est bloqué. Que je retourne dessus. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Il est où? Il est là. Il est là. Il est où? Il est où? Il est là. je vais bien. Tout va bien. Voilà. Le revoilà. Ouais, bah de ce côté-là aussi. Ah. J'ai cru. Non, j'ai cru seulement. J'ai cru m'entendre dedans, mais non, non. Non, c'est. C'était un petit peu de moustache, c'est tout. Ah oui, ça fait yo-yo, là, il n'y a pas de problème. Oh, il y a de la vache folle! Ouh, putain! Sur le pied! Bon, alors, dans les logiciels de montage vidéo, méfiez-vous, quand dans les options, il y a de la musique de demi, comme ça, pour amuser la galerie, eh bien, il arrive parfois que c'est sous droit d'auteur. Bénéfice, je suis obligé de retravailler mes vidéos. La vidéo, la précédente, là, qui est en ligne. Qui est sous Linux. Eh bien, je vais faire ça autrement. Alors, heureusement que je n'avais pas vidé la corbeille. Eh ouais, et toi, toujours devant. Eh, ça fait un petit peu bizarre, ça. Toi devant, moi derrière. On dirait qu'on accroche les wagons, là, sur le coup. Là. Oh, moi, j'ai rien dit, moi. Voilà, c'est passé très QRP, hein. Musique libre de droit. Qu'est-ce que j'ai par là? Bon, WebSDR, il n'y a rien. Bon, ça va, ah oui, en espérant que ça passe bien là. Cet appareil, je sais pas quoi, là, DSP, c'est quoi au juste? Parce que j'ai toujours pas compris là ce que c'est, quoi.
Tu me parlais de brancher le micro dessus. Les fils que je vois, c'est des fils 3-5 comme le speaker, comme le haut-parleur. Du coup, là, j'ai rien compris là, ce que c'est là, que cet appareil. Ouais, c'est, je sais pas, c'est. Moi, pas connaître ce truc. Oui, bon, je vois que ça passe mal. L'appareil, le DSP que tu m'as montré, celui-là, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas comment il se branche. C'est pour ça que je te demandais si tu avais, toi, de ton côté, trouvé des infos dessus. Parce que du mien, mis à part ce que je t'ai mis sur Messenger, auquel j'ai même pas compris ce que j'ai lu, quoi. je vois pas trop ce que c'est. Quoi. Je vois pas trop comment il fonctionne surtout. Je l'ai acheté par erreur, moi. Je l'ai acheté par erreur juste avant que j'achète le BHP, là. Ça, c'est une erreur d'achat. Et puis, quand j'ai voulu le canceller, quelqu'un de téléphone, ils l'ont envoyé. Puis là, faut que je me fasse arrêter pour le retourner. Mais moi, j'ai. Pardon. Je l'ai installé. Je perds complètement le volume, alors. Car moi, je ne l'ai pas vu installer, et ça fonctionne pas pour moi quand même. Alors, avant de le retourner, pour ça, je demandais s'il y avait quelqu'un qui connaissait ou qui en avait besoin. Ok, donc c'est aussi un filtre DSP pour haut-parleur, comme le BHI là, que tu as trouvé, le même que le mien. Bon, là ok, là ce coup-ci j'ai compris. Alors ok, petit truc, test avec un autre haut-parleur, un autre speaker dessus, parce qu'il peut y avoir une histoire d'impédance du haut-parleur. J'ai le cas chez moi, sur le... au fait... ah ben si, ah ben non, je suis en train de parler dans le micro, c'est normal que le mien, là, je le vois pas clignoter. Oui, moi, sur le BHI, j'ai un haut-parleur au QIRA qui ne fonctionne pas du tout dessus. Il n'est pas compatible dessus. Alors, regarde si toi, en branchant un autre haut-parleur, un autre speaker, d'une impédance différente, ça pourrait certainement marcher. C'est, faut tester. Ok, bon, j'ai de la chance, en plus je vois que c'est bien passé, c'est nickel. Tiens, à propos de passé, j'en ai un qui a très passé. Ah ben non, c'est parce que j'ai coupé le son. Ok, ouais, d'accord. Ok, ouais, donc il arrive parfois là, et je sais que, alors, toi, mais je me suis fait avoir comme ça, pas l'année dernière, mais l'année précédente au salon de qu'on fait, un salon radioamateur où j'ai un stand dessus. Hein. Salon de Marennes, à côté de l'île de Léron, si tu vois un petit peu où est placée l'île de Léron. Bon, ça fait partie du sud-ouest, mais c'est dans le nord du sud-ouest. Voilà. Là, tu regardes l'île de Léron, tu verras Marennes à côté. Tous les ans, sur le dernier week-end de juillet, on est là-bas. Cette année, je sais pas si on le fera, j'ai pas d'infos pour le moment. Mais bon, bref, pour en revenir au filtre, il y a 2 ans, je crois, je sais plus. Enfin bon, bref, la fois précédente, on y est allé. J'avais emmené un autre parleur avec moi et tout. J'ai émis le filtre et tout. Ça attaque le filtre DSP. Je branche dessus et là, zut, ça a marché 30 secondes ou même pas. Puis paf, j'étais obligé de sortir le filtre et de brancher le haut-parleur en direct. Et une fois de retour à la maison, j'ai rebranché sur mon haut-parleur habituel, et là, ça a marché de suite. Donc, il y a une histoire d'impédance, quelque chose comme ça au niveau du haut-parleur, auquel il faut faire attention, et c'est pour ça que là, il vaut mieux en passer d'autres dessus pour voir si ça serait pas ça des fois. Et si sur d'autres ça fonctionne pas, ben ouais, c'est qu'il est peut-être en panne, effectivement.
Oh, il m'a semblé entendre quelqu'un gazouiller derrière, j'en suis pas sûr, là, complètement noyé dans les QRM de mon côté. Je sais pas, je relâche le micro pour voir. Et puis j'ai un QRM de 3, 4, 3. Pas évident pour moi aujourd'hui, là. Bon, je vois que ça passe. Putain, même le Brésil y passe, dis donc. Ah, le coup de sifflet qu'on a entendu, ouais, c'est ça, c'est le Brésil. Ouais, c'est vrai que là, c'est plutôt calme, très calme. Vidéo pour ce temps-là, je retravaille ma vidéo pour ce temps-là. Alors, j'ai fait le début, j'ai mis sur la fin. Oui, ça, c'est un Roger Beep qui vaut de l'or. Ça, oh oui, je suis sûr que j'en cher, il coûterait très cher et je fais des verres. Oh, enregistré. Tac. Alors, j'ai fait une vidéo d'une installation Linux que je me suis amusé à faire sur un disque dur externe. Première fois que je fais ça. Hein. Donc, je pars du principe que je suis débutant. Et donc, comme vous l'avez dans la vidéo précédente, bah, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Et bien voilà. Comme ils disent dans les films, on la refait. Bon, ben côté web SDR, c'est tout aussi calme. La vache! C'est... Qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais n'importe quoi. Hein. À part des bruits, des trucs, des machins qu'on entend. C'est... Eh bien, je crois que c'est une journée off. Mais vidéo, quand même. Bon, ben là, il est parti, là. Il est où? Il est parti? Ah, il a prévenu tout à l'heure. Moi, je me sens un peu seul sur le coup, là. Voilà.
Tac, ma bise d'air coupée. Des parasites qu'on peut avoir. Plus 20. Ah, ah. Ah, c'est une fréquence d'appel. Hein. Tiens. Ah ouais, les USA sont bien là. Ah, il y a quelque chose là. Mais c'est trop, je suis trop loin. Alors, le canal 6. Waouh. Le sérieux là n'a pas sa place. C'est tout simplement tout beau. Oh, la vie est trop courte pour trop se prendre au sérieux. Hein. Ou alors, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Moi, ça me va. Les clics-clics qu'on entend, c'est la boîte d'accord. Je vais me mettre là. Je vais l'enlever. Waouh. Je la remets. Là, ça... Il va quand même falloir que je vois ça. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Voir les kilomètres pour le compte SDX. Bon, déjà, quand vous envoyez des EQSL, lisez le règlement, ça serait déjà pas mal. Elles sont, toutes les EQSL sont envoyées. Le listing est toujours sur le site. Tout ça, c'est à envoyer après à Isabelle, 14 km 3309. Alors je dis ça parce que j'ai vu des messages où certains OM envoient ça sur DX Cluster. Sauf qu'on n'est pas dessus. C'est tout en anglais, on n'y comprend rien. Et il y a plusieurs sites de EQSL et aucun ne correspond entre eux. Ça, par contre, c'est dommage. Il pourrait y avoir un support principal, de façon un support principal, un serveur principal, je veux dire, et que tous les sites, aussi différents soient-ils, se regroupe dessus pour utiliser les mêmes logiciels de EQSL.
Là, ce serait plus efficace, plutôt que chaque site fait son truc dans son coin. Ah, il est parti. Ah, là, il a QRT. 15h55. Ah ben zut, je viens de remonter. Faut toujours se méfier avec la propague. Toujours derrière. Parti loin, Gilles. Oui, c'est un bon matériel, la Galaxy. Moi, c'est avec une Galaxy Delta Y88 sur l'antenne Imagine sur un bilan de 17 mètres ici en 2 km. Putain, ça fait haut, ça. Ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Hein. Rémi, toujours derrière. Ça, il peut le dire. Je suis toujours là, Gilles. Là, je t'avais perdu là pendant un petit moment. Là, je t'entendais plus. Oui,
Ah ben, il l'a eu hier. Il a un petit effet d'écho tout léger, quoi. Tu manges des spaghettis ce midi? Hey, je t'avais complètement perdu tout à l'heure. Hein. Là, j'étais faire un tour à droite, à gauche, en fréquence. Je t'entendais plus. Et j'ai cru que tu étais parti à ton rendez-vous. Ouais, t'es un petit peu haut, ouais, affirmatif. T'es un petit peu trop haut en fréquence. Attends, j'ai pas eu le temps de te retrouver. Oh, je crois que t'es sur le 624.98. Ben là où tu es très souvent, hein. Mais quand tu tombes sur les stations décalées, pourquoi tu restes pas sur la fréquence pour utiliser uniquement le fin au milieu? Oui, bon, d'accord, là tu m'as eu. Effectivement, j'ai vu ça dans ta vidéo d'hier. D'ailleurs, je me suis un petit peu amusé sur la vidéo d'hier. À pas mal d'endroits, j'en ai fait des copeaux. Il y a des endroits où il n'y avait rien, c'était blanc. Hein. Blanc de chez blanc. Il y a des endroits, il y a des petits martiens. Il y a d'autres endroits, il y a de la vache folle. Hachis.
Et il a encore touché. Pose tes doigts sur le bureau qu'on lui foute un coup de règle dessus. Alors je dis cette connerie parce que, bon, moi encore j'ai pas connu, mais mes frères qui sont plus âgés, 10, 8 et 6 ans de plus, eux à l'école ils ont connu ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu extrême, mais bon, ils en sont pas morts. Il y avait de la discipline à l'école comparée à aujourd'hui. Ah, c'est déjà pas mal. La secoue volante là, et du martien. Oui, c'est le nom d'opérateur ici, c'est Gilles. Le nom d'opérateur est Gilles, et puis la température de VX ici, c'est moins 4 degrés aujourd'hui. Là. Moins 4 degrés sur le Québec. Est-ce qu'il a déjà entendu? C'est pas normal. Là. Touche plus rien. Oui, c'est là aujourd'hui, moins 4. Là, c'était 7 degrés. Quatre degrés pour un temps. Thank you.
tous ces coins-là, là, ici, là, c'est wow. On dirait qu'il est passé dans un tuyau, là. Ah, c'est peut-être le DSP derrière qui a fait cet effet-là. Là. Quelques mois là que waouh. Je suis toujours là. Alors j'entends un peu chuchoter derrière, mais rien de concluant de mon côté. Mais je lui envoie quand même les 73 51 14 km 33 01 Rémi, le département de la Gironde. Voilà, tu peux lui faire le QSP parce que là je suis pas sûr que lui m'entende. Ou alors il a vraiment de la chance. Mais aujourd'hui j'ai un peu de QRM aussi par rapport à d'habitude. Vidéo refaite, la vidéo sous Linux refaite, et là maintenant ça passe. J'ai changé la bande son qui avait au début et à la fin pour mettre en libre de droit, pour mettre quelque chose en libre de droit, et voilà comment on s'en arrange. Merci chef vénéré.
Ah, il y a la mer supérieure qui arrive. Bon, Gilles? Buenos días, México. Oui, buenos días, México. Buenas tardes, Québec, Canada. Allez, Gilles pour Rémi. Oui, allez, oui. Bon, je viens de voir, je viens d'apercevoir dehors la mer supérieure qui arrive à chi trois coups. La voix des ondes. Bon, je vais passer un QRT. Nous, on va se faire un petit cappuccino et tout, bien sympa et tout, en amoureux. Je t'envoie les 73-51, Gilles. Et à demain, si ça le veut bien. Demain, oui, à demain, si ça le veut bien. Ok, merci, à demain. Oui, à demain. 73 pour 10 à la